Quand j'étais plus jeune, j'adorais jouer au foot. Quand je revois ces images, je repense au foot en salle. Ça me rappelle les terrains vagues au quartier Georges Sand à Trappes. Quand je restais jouer toute la nuit, toute la journée, jusqu'à ce qu'on voit plus le ballon. C'était les belles années. Attends, mets pause. Mais tu vois cette frappe là, mets le ralenti. C'est un truc de malade, en mode Zlatan. C'est Fouini Ibrahimovic. Non, il y a du niveau. Quand j'étais petit, je jouais en équipe 1 à Trappes. Il y a plein de gens qui vont dire que j'étais un mytho, mais c'est vrai, je joue en 1. C'est des haineux parce que je suis trop bien. Non. Non, là, le 10 qu'il vient de faire, c'est un truc de malade. Il n'y a pas but. Comme je suis un fan de foot, dans cet épisode, je vais vous faire découvrir un des stades les plus chauds d'Europe. Le stade Vicente Calderón. Vous êtes prêts? Let's go. Ça a bardé en deuxième mi-temps. C'est vrai qu'en première mi-temps, toute l'équipe était solide. On avait un bloc défensif assez solide. Et c'est vrai que bon, ça a été plus un exploit technique de ma part pour sauver un peu l'équipe en deuxième mi-temps. Mais sans l'effort collectif de toute l'équipe, voilà, on n'en serait pas là. Bon, parler du ballon d'or, c'est un peu trop tôt, mais vous savez, pour moi, de toute façon, le sport, et c'est un jeu d'équipe, et c'est pas un truc personnel. Donc, je n'y prends aucune gloire à gagner le ballon d'or, mais voilà, peut-être sûrement. En tout cas, merci beaucoup, et puis voilà. C'est une dinguerie. Il a le ça rappelle la période de mes repères. Bah oui, avec la fougue, tu vois. Shit. On retourne aux sources. On revient à la base. Bam. Qui a dans le compte pas besoin d'en parler, sale gosse, tout le monde a besoin d'un boss. Quand je déboule en Porsche, ce qu'il y a dans le compte pas besoin d'en parler, sale gosse, tout le monde a besoin d'un boss. Quand je déboule en Porsche, ce qu'il y a dans le compte pas besoin d'en parler. Je m'écris le deuxième. Quand je déboule en Porsche, parce que là je déboule en Porsche, c'était mieux. Quand je déboule en Porsche, yeah, yeah. Sale gosse. Tout le monde a besoin d'un boss. Yo! Quand je déboule en Porsche, ce qu'il y a dans le compte, pas besoin d'en parler. Sale gosse. Tout le monde a besoin d'un boss. Hollywood! Quand je déboule en Porsche, ce qu'il y a dans le compte, pas besoin d'en parler. Bon ça! Boss! Skrr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 r
C'est chaud. Non, gamin, je te cache pas que j'ai le sentiment, la conviction que cet album va être un truc de malade. Yo! Oh putain, mec! T'as écouté encore depuis avec, voilà, avec le début? Juste une petite intro, voilà. Non, justement, pas d'intro, ça doit commencer direct comme ça, mon gars. Enlève tout ça. Je te jure, je te fais la change sale. Fais la change sale. Fais la change sale. Fais la change sale. Yo! Sale gosse! Yo! Tout le monde a besoin d'un boss. Quand tes boules en Porsche, ce qu'il y a dans le compte, pas besoin d'en parler. Oh là là, ça commence chaud, chaud, chaud. Très chaud, tu vois. Le début, là, mais tout le début. Le début, ça doit être. Et toute ma vie, j'ai fait l'argent, tu vois. Tu mets un toute ma vie, j'ai celui-là, là. Tout le monde a besoin d'un boss. Quand j'ai boule en Porsche, sale gosse. Tout le monde a besoin d'un boss. Quand j'ai boule en Porsche, ce qu'il a dans le compte, pas besoin d'en parler. Sale gosse. On balance pas comme Gustavo, on est des bandits. J'ai mon groupe sanguin sur mon iPhone au cas où ça rétire. Toute ma vie j'ai fait l'argent sale. Fais l'argent sale. Fais l'argent sale. Fais l'argent sale. Et j'enterre mon blé, j'ai plus où il est comme un Medellin. Fini, babe, fini, ton gamos brille. Ça va? Bonjour tout le monde. Donc là c'est le premier jour du tournage du clip. On est en plein tournage. Une voiture qui va faire des burns avec des fumigènes partout. Ça va être un moment de malade que je vous invite à découvrir avec moi. Allez, venez. Voilà, si c'est pas un décor de malade, regarde, filme-moi ces tours. C'est trop chelou parce que les trois tours elles sont différentes. On dirait les architectes se sont pas trop parlé. Chacun fait son délire. Tu vois, c'est. Ils se sont pas trop passé le mot, quoi. Je crois que mes Rick Owens parlent pour moi. Même Norbert pourrait valider que la puissance norbatique est dans mes Rick Owens. Je crois que l'enjaillement est total. Non, this shit is real. No fake. No fake zone. No fake zone. Non, gamin, le décor m'enjaille. Faut dire que c'est un genre de décor enjaillant. Madrid. Avant, j'étais pour Real Madrid. Maintenant, je suis pour Atlético Madrid. Ils sont lourds. Faire une petite visite détaillée. Je vais vous montrer le stade de Santiago Bernabéu. Santiago Bernabéu. C'est le stade de Real Madrid. Il est juste là. Faites attention à la piscine, il n'y a pas d'eau. Si vous plongez, vous allez finir comme... Bon. Il est là, le stade Santiago Bernabéu. Non, gamin. C'est là que Ronaldo, il essaie de jouer comme moi. Ou même vous avez vu sur les vidéos quand je joue au foot. Ah, si seulement je m'étais pas blessé le coude.
Je serai une star à Santiano Bernabéu. Et sinon, ce genre de figure peut être reproduit facilement par Winnipeg. Je leur ai tout appris, gros. Je veux pas que le mec tourne autour de moi comme la Terre tourne autour du Soleil. Ce genre de face facile à faire. Ce genre d'artiste. Je lui ai tout appris, calmez-vous, ce n'est que moi. Non gamin, ça m'arrange grave ce que j'ai posé. Ce que j'ai pioché, ça m'arrange grave. En trèfle, c'est ce que j'attendais. Ah ok, c'est pas mal. Carte, fin de carte. Carte. Oh putain. Fin de jeu. Oh, oh ouais. T'as filmé? Ah ouf. Oui, oui, la victoire. Faut filmer dans Funistory. Ma précieuse victoire. Elle est dédiée à Duncan. Alors qui a misé sur qui a misé sur quoi? Que je veux savoir, parce qu'après la fin du match, je veux savoir qui était là, Chozo. T'inquiète, il va te donner, oui. Ok. C'est bon, c'est qui a misé sur qui? T'as récupéré l'argent ou quoi? Moi, j'ai récupéré le joueur, les gars. 4 fans 4. C'est pour avoir parié sur moi qu'il a le droit à l'argent. Je ne joue pas pour l'argent, mais pour la gloire, la renommée. Le fait de battre mes ennemis comme ça, à plat de couture. Peu importe combien il a gagné. Il ressort vainqueur de cette journée. On a gagné. Non, gamin, ce produit est révolutionnaire. Tu fais une photo, c'est à 360 degrés. C'est un truc de malade. Tu fais une photo, Blani, là, tu vois tous les Noirs et les Arabes qu'il y a ici. Tu flashes, Mickey, il est là. Non, gamin, je vous présente Mickey dans Rocky. Vas-y, frappe, Rocky. Laisse pas disperser par Adrian. Frappe, Rocky. Adrian. Puis moi, tu fais mon gars, je vous présente Pornstash d'Espagne. Kevin Klein. Pornstash d'Espagne, mon gars. Le vrai Pornstash d'Espagne. Take off the sunglasses, please. Look, Pornstash. Il est lourd, gros. Thank you a lot. C'est la coupe de quoi pour devant? Ah, c'est de bigger, ouais, jump, bigger, ouais, criss-cross make-up, jump, jump. Là, c'est la vraie coupe de criss-cross, gros. Dans les rues de Madrid. Ne me dites pas qu'on a mangé des tacos. Ne me dites pas que je suis avec mon gars Houssein Oussissé. Je représente, gros. C'est un joueur international de l'équipe du Mali. J'en place une à tous mes Maliens. Anis Oroma, Annie Clé et sinon Anissou. Et Fini est international. Non, moi, je suis international car je parle 13 langues. Pas 13 ans, mon gars. Plus 14 avec le CUNY. Carte, quick. Ah, t'es mort. Je suis mort. Comme carte. Ok. Vraiment, combien? Calmez-vous. Premier arrivé à 5. Vas-y. Ah putain. 1-1. Fais comme je t'ai appris. Eh non, t'es pas le mort. Je t'ai appris à qui? T'étais derrière moi là. Non, ah non. Eh, qui a appris à qui? Je pense pas que je vais dire ma couleur quand même. C'est que tu vas changer. Carte, fin de carte. Ah ouais. C'est moi le jeu que j'avais en plus.
On fait l'échange de maillot, un truc comme ça ou quoi? Quand tu perds avec ça là. Ah bien joué, bien joué, bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. C'est bon vivre à Madrid avec ce genre de musique. Et je me sens bien, madame, je me sens bien. Je suis Boré Ferré, Louis Vuitton, et je me sens bien. Oui, je suis Gucci, Zellman, et je suis Louis, et je me sens bien. Je me sens bien. Non, gamin, la situation est claire. On attend le frérot Cargasso, qui a signé à l'Atlético Madrid. Mais avant, il était à Monaco. Et maintenant, il est à Madrid. Ça va mon gars ou quoi? Ça va, tranquille, ta petite soeur. Ah ouais, la petite carasse. Ça va ou quoi? Tu vas bien? Non, mais on va y aller là. Quand je me trompe, tu le dis toujours pas Carcasso. Carcasso. Non, gamin, c'est Carcasso. Non, c'est Carrasco, c'est pas. C'est là que j'ai. Après, ça dépend, tu vois. Parce que tu vois, par exemple, moi j'ai celle-là, et toi, t'as celle-là. Donc pour toi, c'est celle-là les plus belles, et pour moi, c'est celle-là les plus belles. Parce que. Ah ouais? Ouais, c'est ce que t'as pas, non, c'est ce que tu trouves beau. Vous voyez les enfants, si vous fumez pas, si vous buvez pas, peut-être que vous célébrez cette coupe. Là, il va nous faire visiter le vestiaire, mais ça c'est une chose. Même Yannick lui-même, il n'a pas encore vu le vestiaire. Parce que là, c'est le premier match après-demain depuis qu'il a signé. Le premier match, c'est le début de la Liga. Bon, on est là, on est dans les débuts, c'est la Liga. Gros, est-ce qu'il y a mon maillot dans le vestiaire? Mettez crampons, gros. D'ailleurs, si vous voulez venir vendredi nous voir nous entraîner, vous venez vendredi, hein, pas de problème. Ok, là, on vous ouvre les portes. Il y a Ibrahimovic à côté de moi. C'est comme ça qu'on va tomber. Ibrahimovic. Loni, change. Vas-y. Tu l'as rentré, Non, gamin, ça dépend combien je suis payé. Entre nous ici, c'est la meilleure des places, gros. T'es même pas sur le terrain, t'es payé pareil. En quelques mots, est-ce que tu peux me dire, voilà ta nouvelle recrue là, à l'Atletico, parmi un peu de Fumini, qu'est-ce qu'il a apporté à son match grâce à cette victoire? Il a quand même mis un doublé ce soir, donc voilà. Un triplé, désolé. En fait, c'est un attaquant qui est déjà très grand, donc ça fait plaisir d'avoir un attaquant qui sait bien jouer au jeu. Ouais. On lui met les ballons n'importe comment, il les contrôle, il les garde bien, ça nous soulage, ça nous peut facilement monter. Et toi, Founi, tes impressions dans ce nouveau stade, voilà, un poquito, palidos, dans du côté de Madrid, l'espace de plus de joueurs, l'espace de plus de love, son show, l'espace de plus de Télévisión Española. Bonsoir, bienvenue à l'Estadio Vicente Calderón. Comment allez-vous? Muy bien. Très bien. El Atlético de Madrid es el equipo y el club más grande que ha habido en la historia de España. No se puede asemejar ni parecer a ningún equipo. Tenemos la mejor afición, tenemos a los mejores jugadores y tenemos las ganas que nos ha transmitido en este caso el míster, que es el número uno, Cholo. En gros, pour ceux qui parlent pas espagnol, il a dit que l'album de la Fouine, c'est le meilleur album de l'année, qu'il faut aller l'acheter direct.
Je suis une star du football. Yannick Cargasso. Regardez-moi ce stade. C'est pas un truc de malade. Écoutez. Plus près, encore plus près. Vous entendez ce silence? Ce serait pas merveilleux de le voir rempli ce stade? Voyons voir si les fouinis pouvoirs sont toujours d'actualité. Non, gamin, sur Funny Story, l'enjaillement est total, regarde-moi ça! Qu'est-ce que j'ai kiffé ce séjour en Espagne? C'était lourd, un truc de malade. On a pu tourner un clip, on a pu assister à un match de fou. Et quel match! Regardez, on dirait que je suis sur la pelouse, on dirait que Diego Simeone, l'entraîneur, il va me faire rentrer. Tous les supporters en furie, un stade de malade. Ce coup franc de Griezmann, c'est un truc de malade. Et ce super moment, ben, on le doit à Yannick Carrasco. Merci mon frérot. J'espère que vous avez tous passé un super moment ici à Madrid avec nous. On se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures de Funny Story. C'est vraiment beau, hein. Putain, t'es ma boum. Shit, this shit is real, no flex, no flex zone. Ce genre de lunettes est indémodable, ouais, fire, tu comprends? Ce genre de chemise. Ha, c'est pas la sapologie, mais une spéciale à Norbert. Tu vas regarder Snapchat. Tu connais. Ce mec est toujours avec sa caméra. Il me suit partout. Mais pourquoi? Duncan, mais pourquoi? It's my mob, but cricket. Ask my nigga cricket. Keep your head up, boy. Yeah, that's what's up, my nigga. Huh? My nigga Fouini. Et il a fait le chasse. Il a chassé du fouin. Et là, le cousin sur le nuque. Le cousin sur le nuque. Yeah, yeah, yeah. Ma putain de banlieue salade sur la côte. Non, gamin, ça se voit que Fouini Babe n'est plus là. Je dois faire la queue.